Bonjour à tous, comment allez-vous? Jour numéro 3, vlog au Japon. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un des sièges les plus connus de l'automobile, enfin des Hondaïstes, c'est Spoon Sport. Je ne sais pas si vous connaissez, le fondateur Tatsuru Ishishima est venu d'ailleurs au HEMD 2018 avec sa Honda NSX, elle a fait fureur d'ailleurs. Et moi je me suis permis de venir de voir, étant donné que je suis de passage au Japon, et tout simplement voir un des plus grands tuneurs chez Honda. Vous avez sûrement à un moment ou à un autre eu un calculateur avec la petite EEPROM Spoon qui permettait de couper le rupteur. On l'a tous eu ça, souvenez-vous, on a tous essayé de chercher cette petite EEPROM pour les fameux moteurs D16, et après il y a eu aussi pour les B16. Et après, ils se sont fait un peu plus en plus connaître sur des grandes courses au niveau national, dans les championnats de Super GT avec leur Honda S2000 ainsi que les NSX. Et bien entendu, cela s'est exporté un peu partout en Asie, donc on va essayer de voir ce qu'il en est aujourd'hui. Car au total, je dois voir 3 tuneurs dans la région. Ça va, j'ai de la chance, ils sont à proximité. Allons voir ça tout de suite. Bon, merde, c'était la loose. Là, c'était les locaux de développement. Bon, ils ont été assez sympas de me fournir le plan. Donc moi, j'étais ici, il suffit de marcher un petit peu. Ça, c'est pour ceux qui, à l'avenir, penseront venir là. Sachez qu'il y a 2 divisions. La division Spoon Sport, les locaux, et Type One, le showroom. C'est là où on va aller et c'est là qu'il y aura matière. Et donc voilà, aujourd'hui mes amis, j'ai eu l'occasion, grâce aux personnes ici présentes, d'être accueilli au sein même des locaux de chez Spoon. Donc on peut voir déjà ici, ce sont les 3 pare-chocs, les 3 faces avant des mythiques voitures qui ont contribué à la franchise Spoon à travers le monde. Donc au-dessus, vous pouvez voir, c'est le pare-choc de la NSX. Cette face avant est assez connue, c'est celle de la S2000. Et celle-là, si je ne dis pas de bêtises, c'est celle de la Type R FD2. Il est assez difficile, je ne sais pas après si je peux tout filmer ou pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être un B16. Vous allez me dire, c'est un peu difficile des fois de différencier un moteur comme ça avec le B16 et le B18. Si vous savez, mettez-les dans les commentaires pour me dire comment on peut le voir, à part le numéro de série, bien entendu. Donc vu que je ne suis pas chez moi, je ne vais pas m'amuser à décortiquer. Quoi qu'il en soit, on a l'impression, au vu du collecteur d'échappement et les 4 pattes d'admission, que ça a l'air d'être une préparation assez sérieuse. Donc là, je profite d'une petite interlude pour dire que le client derrière va équiper sa caisse de futurs combinés filetés Spoon. Et donc, on a un tout petit technicien, un peu timide, qui ne veut pas être filmé. Qui est en train de faire le montage actuel, la partie rodage des amortisseurs. Et ensuite viendra la partie réglage aux petits oignons, comme ils savent si bien le faire. Car le châssis, on l'oublie toujours, mais il ne doit être jamais négligé. Voilà. Bon, il y a le bruit du compresseur, on va essayer de faire au mieux. Ça concerne ici les tubulures. Vous savez, c'est pas une... C'est une science, il faut des années d'expérience pour paramétrer au mieux le 4 en 1. Et donc là, on peut voir des vues découpées pour faire montrer leur savoir-faire. Bon, après vous me direz, depuis le temps, certains ont recopié ça. Mais Spoon était un des précurseurs quand même pour avoir un pôle recherche et développement. Pas juste un tuner, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et là nous avons ici un très beau volant, un peu similaire au volant Nardi. Et aussi ils font de la conception, mais vraiment surtout on parle moteur. Mais bien entendu, ça concerne aussi les disques. On peut voir aussi au niveau des alvéoles, de la matière qu'ils utilisent. Enfin beaucoup de paramètres prenant en compte pour la dissipation thermique sur circuit. Comme je vous ai dit, ils ont presque une trentaine d'années d'expérience dans la course automobile. Et donc là, c'est la Honda S600, strictement d'origine. Mais là, on a vraiment un modèle
d'exception. J'ai. C'est vraiment une petite œuvre d'art. Elle est nickel. Oh, il n'y a pas à dire, cette FK8 en blanc comme ça, là. On ne peut que craquer. Peut-être que même des fans de ce Subaru un jour seront tentés, vu qu'il y a quand même des similarités. Hein. Qui sait? Ou alors faut vraiment être irréductible et ne penser que par les quatre roues motrices. Je vais rester chez le bleu Spoon, j'ai pris en plus le plus gros, le plus voyant. Voilà chose faite, Samo Power. En tout cas, il n'y a pas à dire, chez Spoon, ils savent recevoir. Je me suis présenté, bien entendu, en tant que youtubeur, enfin j'ai essayé de blablater un petit peu, et ils n'ont pas osé me refuser l'accès à leurs locaux, et franchement, que des gens super accueillants, quoi. Bien entendu, je n'ai pas pu voir aujourd'hui Monsieur Satsuru Ishishima-san, mais c'est pas grave. Ah, derrière cette vitre, ils ont une salle blanche pour faire de la préparation, analyse, décortiquer le moteur, changer les pièces, respecter un process assez drastique hein, quand on ouvre un moteur. Il n'y a personne. Malheureusement, on ne pourra pas voir un peu plus en détail. Je pense que c'est parce qu'il est l'heure d'aller manger, là. Enfin, on a déjà assez vu. Voilà. Donc pour Spoon, la repartie prépa type 1, chose faite. Et là, on va continuer voir les autres tuneurs. Par contre, ça sera peut-être pas chose aisée concernant une visite détaillée, mais on va essayer pour vous, c'est le but.